d'ici quelques minutes avec les discours officiels, se poursuivra avec la coupure du ruban et le dévoilement de la plaque inaugurale, avant d'ouvrir les portes pour la première fois. Vous aurez alors la possibilité d'entrer par groupe pour visiter les deux salles les plus prestigieuses, à savoir le hall puis la salle des rencontres, pour enfin arriver sur les terrasses de la salle des mariages, où vous sera servi un verre de l'amitié. Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les indications qui vous seront fournies par les agents de la mairie à l'intérieur de l'hôtel de ville, afin de garantir le déroulement de la manifestation dans les meilleures conditions pour tous. Il y a donc un sens de visite et nous vous demanderons de bien vouloir le respecter. Vous pourrez quitter les terrasses du bain d'honneur par les escaliers se situant sur votre droite quand vous regardez l'hôtel de ville et ressortir par le couloir prévu à cet effet sous les haubans à votre droite également. Madame le maire, mesdames et messieurs, nous avons bien réfléchi à récupérer chez nous quel est le cadeau propre pour l'inauguration du nouvel hôtel de ville. Et nous avons choisi le pain et le sel. Parce que le pain et le sel, ils sont plus que la ligne de base. Le pain distribué à l'occasion des festivités aurait le pouvoir d'éloigner les démons, d'aider à guérir les maladies et de porter bonheur. Aujourd'hui encore, on fait des pains spéciaux à diverses occasions. Citons la galette des rois, les bonhommes de la Saint-Nicolas ou les pains joliment décorés par la fête de la moisson. En emménageant dans une nouvelle maison, il faut y apporter un premier du pain et du sel. Ainsi plus tard, on ne manquera jamais de ces deux choses. Merci beaucoup. À présent, la ville de Chengdu en Chine, représentée par M. Zhang, chef de cabinet du secrétaire général du comité municipal du Parti communiste Chengdu. Bah, il est un peu bizarre ce monsieur. Oui, un peu. Au nom de la municipalité de Chengdu, nous offrons cette magnifique broderie à double face avec le symbole des pandas pour souhaiter donc la longue vie à notre ville jumelle, Montpellier. Sans plus attendre et pour débuter les discours officiels, la parole est donnée aux deux architectes urbanistes qui ont conçu ce bâtiment. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous prie de bien vouloir accueillir Monsieur François Fontes, architecte urbaniste. Mesdames et Messieurs, les Montpelliérains, Mesdames et Messieurs, les élus, c'était effectivement avec une grande émotion qu'on inaugure aujourd'hui ce lieu important pour la ville de Montpellier. Montpellier a choisi la voie historique de la reconquête de son fleuve et de sa façade méditerranéenne. Je crois qu'en cela, elle a vu juste. Elle a vu juste sous la houlette de Georges Frêche. Georges Frêche que nous regrettons tous. Mais aussi de Raymond Dugrand, qui fut un grand penseur montpelliérain de l'urbanisme.
et dont je fus l'élève. Dès 1977, cette vision a vu le jour. Elle a vu le jour non pas pour démontrer une quelconque puissance du plan urbain ou de l'architecture, mais surtout pour constituer un nouveau corps social, parce que la ville est d'abord un corps social. Et je crois que c'est ce que nous voyons aujourd'hui, à la fois ici, cette nouvelle hôtel de ville avec la place Georges Frêche, mais également, pas très loin, l'avenue Raymond Dugrand, qui marque d'une façon emblématique la reconquête par la ville de sa façade méditerranéenne. C'est essentiellement, non pas un geste urbanistique ou architectural, mais essentiellement un nouveau cadre de vie et un futur possible pour les Montpelliérains. Montpellier est passé d'une taille de 100 000 habitants dans les années 60 à 250 000 aujourd'hui, 450 000 avec l'agglo, et son cœur historique, aussi fort qu'il fut, n'était plus de taille à assurer son propre destin. Il fallait que Montpellier, et c'était le souhait de Georges Frêche, et c'est toujours le souhait d'Hélène Manroux, qui se bat avec la cité pour que ce grand projet urbain continue de se développer. Montpellier est une ville qui veut conquérir une place forte dans l'Europe, une place forte dans la Méditerranée, cette Méditerranée dont nous sommes tous issus par la naissance ou par la pensée. Mais cette Méditerranée qui a forgé l'histoire de Montpellier depuis le Xe siècle, cette Méditerranée, elle a un sens. Elle a un sens qui cultive la spécificité de ce que nous sommes. Nous sommes plus, finalement, des Méditerranéens que des Européens, même si nous revendiquons cette appartenance. Et je crois que ce qu'on nous a souvent reproché, c'est d'être un petit peu des électrons libres dans le monde français. Mais je crois qu'on honore la France en étant justement des électrons libres. Et cette spécificité, cette particularité que nous revêtons en étant issus de la Méditerranée de Montpellier, eh bien je crois que c'est ce qu'il fallait traduire dans ce projet que vous découvrez aujourd'hui. Ce projet, vous le voyez aujourd'hui un petit peu aux limites de la ville actuelle. Mais vous savez, comme disait le grand philosophe allemand Martin Heidegger, les limites ne sont pas l'endroit où les choses cessent d'être, c'est l'endroit où les choses commencent à exister. Et quand, avec Jean Nouvel, nous avons pensé ce projet, ce qui nous a intéressé, c'était de traduire ce que le peuple de Montpellier est dans sa diversité culturelle, mais aussi dans sa spécificité méditerranéenne. Je crois que le cœur de Montpellier bat à l'unisson de la Méditerranée et que ce bâtiment et cette place qui l'accompagne en est la concrétisation. Ce projet, c'est également une formidable aventure humaine. Et tout le monde s'est mis un ordre de marche pour continuer sur 8 années ce projet plein de sens pour le futur. Il a été initié par Georges Frêche et Raymond Dugrand, comme je le disais, mais continué avec une pugnacité sans pareille par Hélène Manroux, par les élus de cette ville qui ont tous œuvré collectivement pour que ce vaste dessein devienne une réalité et qu'il soit capable
de construire le futur des Montpelliérains. Beaucoup de gens se sont succédés, tous ont apporté leur énergie, leur audace pour que ce projet voie le jour. Je ne voudrais pas oublier de citer tous ceux et toutes celles qui ont concouru à cette aventure humaine. Mais bien entendu, au-delà de l'élan donné par ces grands visionnaires que furent Georges Frêche et Raymond Dugrand, le grand plaisir que j'ai aujourd'hui, c'est de voir que cette vision perdure et que les gens se sont mis en ordre de marche. Que ce soit les élus, l'urbanisme, Philippe Sorel, Michel Guibal avant lui. Aujourd'hui, les équipes ont changé, mais cette ambition n'a jamais cessé. Et aujourd'hui, Michael Delafosse, je le voyais hier, au cours d'un interview avec la presse, je voyais ses yeux briller sur le projet de cette ville. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle mairie ? Dans les yeux d'Hélène Mandroux, cette formidable appétit d'avenir, ce formidable enthousiasme, l'originalité avec laquelle elle fait perdurer ce que ses prédécesseurs ont mis sur les fonds baptismaux. Et je crois que c'est une grande aventure, pour Montpellier, et que ceux qui ont critiqué à certains moments les actions municipales n'ont peut-être pas compris le sens de ce devenir. Montpellier a vocation très probablement à devenir une grande métropole méditerranéenne. Aujourd'hui, nous sommes proches des 500 000 habitants dans l'agglo et nous appelons tous de nos voeux la constitution d'une grande agglomération qui relierait Montpellier et Sète. Et ceux qui, par des pratiques qui n'ont entraîné que des ralentissements de ce développement, ceux qui ont peut-être empêché qu'à un moment donné, cette grande agglo voit le jour, eh bien ceux-ci ne sont pas les amis des Montpelliérains. Parce que Montpellier doit trouver son futur dans ce développement. Ce développement qui constitue la force des peuples. Ceux qui, également, par excès d'écho, ont fait capoter le projet que nous attendions tous, une université forte, puisque il y a quelques semaines, Montpellier a été recalé dans son projet de grande métropole universitaire. Et bien cela, je leur dis qu'il faut qu'ils se remettent un ordre de marche très rapidement pour essayer de reconquérir cette chose-là. Montpellier a de l'ambition, une ambition légitime, parce que les Montpelliérains sont un peuple fort. Ils l'ont montré dans leur histoire. N'oublions pas que Montpellier a été la deuxième ville du Royaume de France, que Jacques Cœur a sillonné la Méditerranée.